Salut, mon nom est Minister Tyrone Williams. Je vis à Sacramento, en Californie. Beaucoup de gens me connaissent, car j'ai une histoire en ligne qui s'appelle « Tyrone est allé en enfer ». Je veux vous donner ici une version plus à jour, et aussi faire quelques remarques sur tous les commentaires que j'ai reçus. Certains sont bons, d'autres mauvais. Pour ceux qui sont croyants, je vous remercie d'avoir combattu les non-croyants pour moi. Personnellement, j'ai choisi de ne pas commenter cette histoire, car la vérité, vous n'avez pas besoin de combattre pour elle, que vous croyiez ou non. Et avant de croire ce que j'ai dit, vous devez croire la parole de Dieu. Car si vous croyez la parole de Dieu, vous pouvez confirmer que l'histoire est vraie. Parce que la parole de Dieu n'est pas un mensonge, et elle révèle l'existence du paradis et de l'enfer de nombreuses et nombreuses fois. Donc, je veux mettre en lumière cette partie de mon histoire, et aussi présenter de nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie depuis. Parce que la parole dit qu'on peut avoir la vie et en avoir plus abondamment. Et je veux juste partager l'abondance de vie avec laquelle le Christ m'a rempli de ce côté de la vie après l'accident. Donc, mon histoire s'est produite en 2001, en juillet. Je revenais de Wee, en Californie. On rentrait, moi, une jeune femme et son fils de 2 ans. On roulait sur l'autoroute I-5 et on a eu un accident de voiture. La cause directe de l'accident était qu'elle s'était endormie au volant. Mais avant qu'elle s'endorme, c'est moi qui conduisais et je commençais à m'endormir. Alors c'est pour cette raison qu'on avait changé de conducteur. Donc, elle conduisait le pick-up sur l'autoroute. Je m'endors sur le siège passager. Son fils est derrière nous sur la banquette. Il n'est pas attaché avec sa ceinture, mais il est simplement endormi, allongé derrière. Et donc, elle s'est endormie, et nous étions au milieu de la bande verte entre les deux voies de l'autoroute. Le véhicule roulait donc hors de contrôle sur un terrain rugueux, et c'est ça qui m'a réveillé. J'ai regardé à ma gauche, et je l'ai vu endormi. Donc, naturellement, tu te réveilles, tu vois l'autre endormi au volant, immédiatement, tu attrapes le volant. Et elle s'est réveillée à son tour et elle a appuyé sur les freins parce qu'on roulait en dehors de la route, sur la partie verte qui n'est pas complètement plate. Et instantanément, le pneu gauche a éclaté. Que ce soit à cause d'un heat pull ou autre, je n'en sais rien. Mais quand il a explosé, le pick-up a commencé à basculer et à faire des tonneaux. On a fait de nombreux tonneaux. Je vois le ciel, le sol, parce qu'on roule. Et instantanément, c'est là que tout est devenu noir pour moi, parce que j'avais été éjecté de la voiture. L'autre point de vue de l'histoire, celui de la jeune femme, c'est que lorsqu'elle a repris conscience à la fin de l'accident, sous le choc, traumatisée, ensanglantée et souffrante, elle tourne la tête pour voir son fils derrière, et en se tournant, elle voit ma main droite sur le siège passager, sans aucune trace de moi. Alors instantanément, elle est sous le choc, sort du pick-up et se met à me chercher. Et c'est à ce moment qu'intervient le jeune homme qui m'a sauvé. Son nom est Rubey McGonney. Il venait de San Francisco et habituellement, il prenait la route qui longe la côte en direction de l'Oregon où se trouvait son université. Mais cette fois-ci, Dieu avait retardé son voyage et l'avait amené à prendre l'autoroute I-5. Et donc, il roule sur l'I-5 et il arrive au niveau de l'accident.
Et c'est là que Dieu l'a utilisé pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire me sauver en me trouvant. Donc, Roubé raconte qu'il est sorti de sa voiture, il s'est approché de la jeune femme et lui a demandé « Tout va bien, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Et elle criait « oh mon Dieu, où est Tyrone ?» Alors il l'a regardée. Vous savez, quand une personne accidentée est sous le choc, vous êtes confus, mais vous voulez aider. Et d'autres personnes s'arrêtaient parce que l'autoroute était bloquée. Il raconte que des gens s'approchaient du lieu de l'accident. Il dit que, alors qu'il parlait à cette jeune femme, un autre homme arrive et marche derrière elle. Il l'aperçoit dans sa vue périphérique. Il regarde la femme, mais néanmoins, il voit cet homme qui pointe du doigt et qui dit « Il est là-dedans ». Et c'est pour ça que Rubé dit que c'était un ange, car personne ne savait où j'étais. Donc Dieu a dû utiliser cet homme ou cette personne pour pointer à Rubé là où je me trouvais. C'est là que Rubé l'a regardé et lui a dit « Ok, donc tu sais où il est, pourquoi ne vas-tu pas le chercher toi-même ?» Mais il s'est juste mis à courir, il a sauté par-dessus la barrière de protection, et avant de plonger dans l'eau, il a regardé pour savoir où je pouvais bien être. Par où est-ce que je serais tombé dans cet étang? Comme j'ai dit, l'étang avait la taille d'un terrain de football américain, en largeur comme en longueur. Donc, où tu commences? Tu as toute cette étendue d'eau. Et ce n'est pas de l'eau claire et transparente où tu peux voir ce que tu cherches. Donc il plonge dans l'étang, il nage dans l'obscurité, et il arrive jusqu'à moi, parce que Dieu le guide à moi. Au milieu de toute cette étendue d'eau, alors qu'il nage sous l'eau dans le noir, Dieu le guide directement à moi, et il me touche, et il m'attrape, et il me sort de l'eau. À ce moment, je ne suis pas vivant, je ne respire pas. Je me vide de mon sang. J'avais 2 litres d'eau et de boue dans mes poumons qu'ils ont drainé à l'hôpital. Et en plus de ça, la gangrène avait commencé au niveau de la plaie. Donc, j'ai une infection qui se propage directement à mon cœur pour m'enlever la vie. Et il dit que lorsqu'il m'a tiré jusqu'au rivage, il a enlevé son t-shirt et il l'a donné aux gens sur le bord qui commençaient à essayer de me réanimer. Et j'ai craché de l'eau un moment et j'ai perdu conscience à nouveau à cause de la quantité d'eau qu'il restait encore en moi. Et en plus de ça, mon sang se vidait. Le sang est la source de la vie. Et quand tu perds ton sang, ta vie s'en va. Et à ce moment, j'ai eu une expérience où j'étais dedans et hors de mon corps. Parce qu'ils étaient en train de me réanimer sur le rivage de cet étang. J'étais dedans et hors de mon corps, pourtant j'étais en mesure de voir de dessus, tout en ressentant de l'intérieur. Donc, je ressentais mon corps, et pourtant je le voyais d'en haut. Et ensuite, c'est redevenu noir à nouveau. Et ensuite, je fus réanimé une seconde fois par les ambulanciers. L'hélicoptère atterrit sur la route et m'emmena à l'hôpital UC Davis. Où ils m'ont mis dans un coma artificiel pour voir si j'allais vivre ou pas, après qu'ils aient fait leur rafistolage. Je n'avais pas d'assurance, donc je n'ai pas reçu les mêmes soins que le président Obama. J'ai reçu les soins de l'homme pauvre, donc c'était un rafistolage, mais c'était tout ce qui était nécessaire. Et c'était le parfait timing pour que Dieu intervienne. Parce que pendant que j'étais dans le coma, j'ai eu cette expérience. Et c'est là que j'ai eu mon expérience en enfer. Je suis allé en enfer et il m'a été permis de voir les mêmes choses que l'homme riche a vues.
Vous savez, dans la Bible, au chapitre 16 de l'Évangile de Luc, versets 18 à 31, on lit l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et dans cette histoire, Dieu décrit comment il sépare les morts, les uns dans un lieu paradisiaque et d'autres dans un lieu de tourment. C'est exactement ce que j'ai expérimenté en essayant de sortir de ce lieu. Mais Dieu m'a laissé savoir que ce n'est pas par la force ni par le pouvoir qu'on en sort, mais par l'Esprit. On doit recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison précise pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le monde de la damnation éternelle. Et je remercie Jésus-Christ de s'être relevé avec pouvoir. Car s'il ne s'était pas relevé avec pouvoir, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Donc c'est juste une preuve que la parole de Dieu est vraie. Car il est dit que toute autorité lui a été donnée, aussi bien au paradis que sur terre. Il a les clés de la mort, de l'enfer et du tombeau. Et il a de la miséricorde et de la compassion envers qui que ce soit qu'il choisisse. Donc oui, ça soulève beaucoup de questions. Les gens disent, « Mais pourquoi toi ?» Je demande la même chose. Mais comme il est écrit dans sa parole, « J'ai de la miséricorde et de la compassion envers qui que je choisisse. » Donc ce n'est même pas à moi de questionner pourquoi il a fait ça pour moi, mais simplement d'être reconnaissant qu'il l'ait fait. Parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'était pas obligé de me sortir de là. Mais il m'a sorti de là et il m'a donné une seconde chance pour que je sois un témoin pour d'autres qui se dirigeaient vers la même route sur laquelle j'étais. Maintenant, il se peut qu'il ne vous donne pas une seconde chance, mais il vous donne cette histoire, ce témoignage, comme un détour, avant que vous n'arriviez à ce point. Donc, ce qu'il m'a donné, je suis vraiment reconnaissant. Et je suis resté dans le coma pour environ 5 jours. Pendant lesquels je vivais mon expérience en enfer, à travers les différentes choses que j'ai vues là. Beaucoup de gens veulent savoir. C'est réel, c'est très réel. Au chapitre 5 de Matthieu, il est dit ceci. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne pour toujours. Donc Dieu nous a donné les Écritures pour souligner la vérité de sa parole. Oui, il est meilleur que certaines personnes traversent ces expériences. Car il peut vous sauver au milieu de ce que vous endurez parce que vous crierez à l'aide. Et au milieu de cette détresse, vous perdez un pied ou un bras, comme il dit dans sa parole. C'est mieux pour vous d'entrer dans la vie handicapé, sans jambes, avec un seul bras ou un seul œil, plutôt que de finir en enfer pour toujours. Donc, pour beaucoup de personnes qui sont entières, vous devez vraiment vérifier et vous évaluer. Oui, il y a des gens qui ont un seul bras ou une seule jambe, mais c'est un ticket garanti qu'ils n'iront pas en enfer. Voyez, ce sont ceux qui ont tous leurs membres qui doivent vraiment s'évaluer et faire une évaluation de leur cœur. Écoute, Tyrone, veux-tu bien nous raconter lorsque tu es entré en enfer? La première fois que tu m'as raconté ça, ça fait vraiment froid dans le dos. Et tu sais, beaucoup de gens demandent, était-ce un rêve? Tu dis que non, que tu avais tous tes sens, et que tes sens étaient amplifiés quand tu étais en enfer. Peux-tu élaborer là-dessus? La façon dont ça s'est produit pour moi, quand mon corps a été projeté dans l'eau, mon esprit, mon âme a quitté mon corps à cause de la noyade et de la perte de sang. Et je me suis retrouvé dans cette grotte, dans la terre.
Et c'était comme si j'avais émergé de l'eau. Donc j'émerge de l'eau et je regarde autour de moi et je me dis, où suis-je? Et je regarde tout autour et je vois les murs de la grotte. Je vois que je suis sous terre. Je pouvais voir que j'étais dans un lieu souterrain, au cœur de la terre. Je pouvais entendre des cris, je pouvais entendre des pleurs. Je regarde autour de moi, j'essaie de voir, et il me fut permis de voir parce que la gloire de Dieu, sa présence était là. Car c'est un lieu d'obscurité et tu ne verras pas grand-chose. Mais quand la présence de Dieu est là, j'étais en mesure de voir ce qu'il se passait. Et c'était l'expérience la plus bizarre. De se retrouver dans cette eau sous terre. Les cris, les pleurs, les gémissements, les grognements, les questionnements. Une grotte pleine de questions, dans laquelle la vérité s'était scellée. Je suis sûr que tous ceux qui étaient là avaient leur raison, mais la vérité s'était installée. Et beaucoup de gens étaient déçus. Donc il y avait des pleurs de déception, des pleurs d'angoisse, des cris de douleur, des cris de regret, des cris que « si seulement on me donnait une dernière chance ». Donc il y avait toutes ces sortes de pleurs et de grincements qui s'élevaient. Et j'étais dans ce lieu et je regardais ces individus. Maintenant, dites-vous que dans cette eau où j'avais émergé, il y avait d'autres personnes qui apparaissaient partout autour de moi. Et ça fera 10 ans cet été depuis l'accident, donc j'ai eu le temps pour que Dieu me révèle la vérité de ce qu'il m'est arrivé. Les gens qui émergeaient de l'eau étaient des individus qui venaient de mourir sur la surface de la terre, qui n'avaient pas accepté le Christ. Et combien de personnes meurent chaque minute sur la surface de la terre? Combien de personnes meurent sans avoir réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur? Certains disent, je le connais, mais est-il ton Seigneur? Et est-il ton Sauveur? Voyez, ce sont deux différentes sortes de connaissances. Et Dieu m'a montré que j'étais un de ceux qui disaient qu'il le connaissait, mais qui pourtant ne vivait pas pour lui. Vous savez, je ne confessais pas son nom comme je le fais ici. Je n'engageais pas de discussion sur lui comme je le fais maintenant. Donc beaucoup de gens arrivaient dans cette grotte. Il y avait des tunnels de ce côté qui allaient vers cette partie, où j'ai vu des gens se lever et flotter vers un lieu prédésigné. Les gens y allaient sans hésitation. C'était leur destination. Et donc, je regarde, je vois ces choses, et je suis attiré vers ma droite, vers un autre tunnel qui était caché, mais bien présent. Et quand j'ai choisi d'y aller, j'y étais instantanément. Je suis là directement à l'entrée. Je me mis à bouger, j'y étais là directement. Je commence à aller dans ce tunnel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des films qui montrent des gens qui sont attachés au mur et leurs âmes sont bloquées. Eh bien, j'ai traversé un lieu comme ça. Et c'est là que j'ai vu les différentes âmes qui étaient sur ma gauche et sur ma droite. Et elles étaient bloquées, et elles étaient liées à ce lieu et ne pouvaient pas sortir. Et elles pleuraient, et pleuraient, et pleuraient. Je voulais aider, mais je ne pouvais pas. Je devais continuer. C'était comme si je suivais des instructions. Il y a un film qui s'appelle « Scare Straight ». Ils emmènent des jeunes à un pénitencier.
Eh bien, c'était un peu le genre d'expérience. Jésus-Christ m'a effrayé pour me remettre sur le bon chemin, pour me faire savoir que l'enfer est réel, que ses paroles sont vraies. Il m'a dit, je ne peux pas mentir. Il m'a dit, j'ai dit à Adam et Ève qu'ils mourraient certainement le jour où ils toucheraient du fruit défendu. Mais Satan leur a dit un mensonge en disant qu'ils ne mourront certainement pas. Mais ne mourrons-nous pas maintenant? Ne tombons-nous pas malades? Ne vivons-nous pas dans le péché? Toutes ces expériences qui produisent la mort dans nos vies. Et c'est à cause de la désobéissance aux paroles de Dieu, à ce qu'il a dit. Ces mots étaient « n'y touche pas ». C'était un commandement. Et lorsque l'homme a été désobéissant à cette parole, le lieu fut créé où Jésus dut se rendre pour prêcher. Vous savez comment il descendit au centre de la terre pendant 3 jours après qu'il soit mort sur la croix. Et il y avait tout un monde sous terre qui n'avait jamais entendu l'évangile que Jésus-Christ leur prêcha. Et il s'éleva avec tout pouvoir. Et lorsqu'il s'est relevé avec tout pouvoir, il me donna une expérience et une chance de témoigner de la vérité qu'il a en effet tous les pouvoirs. Il s'est relevé. Tyron, tu marches dans ce tunnel et tu vois ces gens qui pleurent et crient. Que se passe-t-il dans ton esprit? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'était un trip. Juste de savoir que j'avais mérité ce lieu. Et pourtant, que je puisse sortir de ce lieu, ce fut un miracle. Parce que je ne savais pas encore que j'allais sortir lorsque j'allais où je me dirigeais. As-tu paniqué? Non, il n'y avait pas de panique. Parce que, tu sais, le jugement, c'est le jugement. C'est comme quand tu vas au tribunal et que tu as une amende pour excès de vitesse. Et que le juge te prononce coupable. Est-ce que tu paniques ou tu acceptes? Tu acceptes, parce que tu sais que c'est vrai que tu roulais trop vite. Donc, comme je disais, quand le juge prend sa décision, tu sais déjà en toi si tu es coupable ou innocent. Mais en parlant du tunnel, comme j'ai dit, c'était l'expérience la plus bizarre, aller dans ce lieu, descendre. Tu viens d'être condamné à la vie en prison et tu marches le long du corridor vers là où se trouve ta cellule. Le sentiment que tu as en marchant, en tenant tes affaires, ton nouvel oreiller, ta nouvelle couverture et ton nouveau dentifrice, les choses qu'il te donne, les pas que cet individu fait alors qu'il marche vers sa cellule et laisse s'implanter en lui la réalité et se dit « ça y est ». C'était une des expériences de la sorte. Vivre cette réalité s'ancrée en moi, mais avoir quand même toujours un petit espoir de pouvoir sortir un jour. Parce que même ceux qui servent une condamnation à perpétuité en prison, quelque part profondément en eux, il y a l'espoir de pouvoir sortir un jour. Et c'est comme ça que je me sentais. J'avais au fond de moi un espoir que je pourrais sortir. Car je me disais, si Jésus l'a fait, je peux le faire. Mais je ne savais pas comment Jésus l'a fait jusqu'à ce que Dieu me montre, jusqu'à ce que j'arrive à ce point plus tard dans l'histoire. Alors que j'arrivais vers la fin du tunnel, je suis arrivé à un lieu qui ressemblait à un gouffre. Looks like a sinkhole. We know what a sinkhole looks like.
Vous pouvez chercher sur Internet, chercher gouffre, vous trouverez différents trous noirs. Vous ne savez pas à quel point ils sont profonds, mais vous ne voulez pas tomber dans l'un d'eux. C'était comme si une portion de la Terre s'était écroulée, et je pouvais en sortir si je la traversais. Mais ce qui me séparait de l'autre côté était ce que Dieu décrit dans sa parole. Il y avait un chiasme fixe, un gouffre invisible de séparation pour séparer les uns de ce côté des autres de l'autre côté. Et vous ne pouvez même pas les aider. Il n'y a pas de restauration pour ceux de ce côté-ci. Donc la paroi de la terre était de ce côté de moi, mais de l'autre il n'y avait rien. C'était comme sortir d'une grotte, mais être dans un angle. Il y a les murs d'un côté, et de l'autre un gouffre sans fin. Comme arriver au bord d'un précipice. Et alors que j'escaladais du côté de la terre avec des racines entremêlées, vous savez comment sous terre il y a des racines? J'essaie de sortir de ce lieu et soudain je tombe et j'attrape cette racine. Et je m'y accroche. J'ai une bonne prise de la racine et je suis juste suspendu là. Et pendant que je suis suspendu à cette racine, je vois de l'autre côté. C'est pas comme si je suis de l'autre côté, mais j'y suis presque. Parce que là où j'étais, je pouvais voir la surface de la Terre. Je pouvais voir le soleil, les appartements, la surface de la Terre. De là où je me trouvais, à l'entrée de cette grotte, à l'entrée de ce tunnel. Et j'étais accroché là. Et c'est là que Dieu a eu sa conversation avec moi. Je savais pourquoi j'étais en enfer, à cause de la vie que j'avais menée, parce que j'étais proxénète et je vendais de la drogue, et vivais de la drogue et des femmes. Et je vivais une vie n'ayant rien de bon dans mon cœur, rien de divin. Tout était pour moi. Et c'est ce que je méritais. Dieu a dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. » Donc Dieu me montrait mon chèque. « Voilà ce que tu allais être payé, fils. » Hein? Tu n'as pas travaillé très dur, hein? Donc Dieu m'a montré que mon salaire, c'était la mort et la séparation d'avec Dieu. Et il m'a dit aussi, « Il y a un chèque, mais il y a aussi un cadeau. » Le cadeau, c'est la vie éternelle. Tu ne travailles pas pour ce cadeau, tu ne fais que le recevoir. Mais comment le recevoir? C'est en y croyant. Et il m'a dit, tu dois croire. Donc, en me montrant la véracité de sa parole, que l'enfer est réel, quoi d'autre pouvais-je faire que de crier vers le Seigneur? Et alors que je suis accroché à cette séparation, regardant en haut, et je regarde quelque chose derrière moi. Vous savez, quand quelque chose est derrière vous et vous regardez rapidement. Donc je suis accroché au niveau de la séparation. Je regarde en bas et je vois émerger de la terre la statue sculptée dans la roche de la tête d'un démon. C'était la tête d'un démon sculptée dans une roche pour marquer le royaume souterrain. Tu sais comment il y a différents trucs sur les châteaux pour attester que c'est leur royaume? Est-ce que c'était la tête d'un démon que tu as reconnu, que tu aurais vu sur Terre? Non, c'était juste une statue. Maintenant, il y a différentes sortes de visages créés en statue, mais juste pour que vous le sachiez, ce n'était pas la tête d'un ange. C'était la tête d'une force démoniaque, sculptée dans la roche, placée à l'entrée du gouffre,
mais qui émergeait de la terre. Et je me tenais au-dessus d'elle. Et Dieu m'a révélé, « Fils, tu es aux portes de l'enfer. » Alors je suis juste resté accroché. Et au milieu de sa révélation de où j'étais, c'est comme dans Ézéchiel, lorsque Dieu l'a pris par les cheveux et l'a emmené dans la vallée des os desséchés. Il l'a pris par l'esprit pour lui montrer différentes choses. De même, Dieu m'a attrapé et m'a soulevé vers ce lieu futur pour me montrer. Maintenant, ce qui m'avait amené là où j'étais, c'était l'infidélité. Mais ce qui allait me maintenir là-haut, c'était la fidélité. Parce qu'il est un Dieu de fidélité. Et personne ne sera considéré un fils de Dieu s'il est infidèle. Dans le mariage, vis-à-vis de vous-même, de vos enfants, envers les autres en général, tout autour de vous, il faut être une personne fidèle. Pour avoir une deuxième chance, il fallait désormais que je sois fidèle. Donc j'ai dû démontrer ma fidélité, alors qu'avant j'étais infidèle dans tout ce que je faisais. J'étais infidèle avec mes petites amies. J'avais plusieurs petites amies. Et tout ça était mal, c'était mauvais. Parce qu'au milieu de ça, diverses choses se produisent. Je remercie le Seigneur de m'avoir épargné de sérieuses maladies. Vous comprenez? Et je le remercie pour ça. Mais Dieu m'a montré la véracité de sa parole. Et pour moi, être fidèle dans cette nouvelle jonction de ma vie était ce qui me rapprochait du Christ. Et quand j'ai choisi ça plutôt que la condition dans laquelle j'étais, alors Dieu me l'a donné. Tout comme il dit dans sa parole, il s'en va pour envoyer le Consolateur. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tombé sur moi et il m'a donné du pouvoir. Et j'ai pu escalader hors de ce gouffre, de ce puits. Et la seconde où je suis arrivé sur la surface de la terre, c'est le moment où je suis sorti du coma. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Ce n'était pas d'un hôpital que je fuyais, mais d'un gouffre. Pourtant, je me retrouve allongé, entouré de docteurs qui disent « Oh mon Dieu, vous vous rappelez quelque chose ?» J'essaye de respirer, mais je n'arrive pas à respirer, car ils étaient en train de drainer l'eau de mes poumons. Ils avaient fait une incision sur mon côté gauche, là où ils ont drainé l'eau et la boue de mes poumons. On peut voir la cicatrice ici. C'est là qu'ils ont ouvert et mis le tuyau pour vider l'eau et la boue. Et en plus de ça, ils avaient mis une sorte de ventouse dans ma gorge pour faire évacuer l'eau. Et quand je suis sorti du coma, j'avais chaud. Je brûlais. J'étais si chaud que je ne pouvais pas le supporter. Et je ne peux pas parler à cause des tuyaux. Je regarde autour de moi et je brûle. J'essaie de comprendre qui se trouve dans la pièce. Mon corps est faible et j'ai très mal. Et soudainement, je regarde, je scanne la pièce et je vois ma mère dans le coin de la pièce là-bas. Et c'est ce qui m'a fait flipper. J'ai sursauté et j'ai dit en moi, sans pouvoir parler, « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je viens juste de te quitter. Je t'ai dit au revoir et je t'ai laissé chez toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Où suis-je ?» Ne sachant pas que des jours de ma vie s'étaient écoulés. Je venais juste de quitter ma mère pour me réveiller dans ce coma. Mais ça m'a paru comme si un instant s'était écoulé. Ça m'a semblé comme si j'avais fermé les yeux et m'étais réveillé.
Mais du temps s'était écoulé. Et voyant ma mère dans la pièce, ça m'a vraiment effrayé. Et soudainement, ils ont dû m'annoncer que ma main était partie, parce qu'ils avaient positionné ma tête de ce côté, et je ne pouvais pas la bouger. Mais ma main me faisait mal. De la façon dont est disposée ma veste, mes doigts auraient dû être ici. Donc je suis allongé, et mon cousin est entré dans la pièce, et il a dit, « Man, il faut lui dire, on doit lui dire. » Je le regarde, je dis, « Yo, me dire quoi ?» Et il dit, « Cousin, 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 ton bras est parti. » Et je le regarde comme ça, « Qu'est-ce que tu veux dire, mon bras est parti ?» Je tapote pour chercher ma main. Ma main aurait dû être sur mon ventre, comme cette main l'est. Mes doigts bougent. Je veux les sentir, je veux frotter ma main. Je cherche tout le côté opposé de mon corps. Mais je ne sens aucune main. Pourtant, je sentais ma main, mais je ne pouvais pas la toucher. Tyrone, tu disais que quand tu étais en enfer, tu as regardé où ton bras devrait être, mais c'était flou. C'était quoi ça? Oui, c'était une image floue. Parce qu'on ne reçoit notre corps glorifié qu'après le retour de Jésus-Christ. Donc sa parole est vraie. Donc c'était comme ça. Je n'étais pas dans un état glorifié. J'étais dans l'état dans lequel j'avais quitté la terre. Donc quand j'ai escaladé hors du gouffre, je savais aussi à ce moment-là que je n'avais qu'une main. Car je n'avais qu'un seul bras pour me tirer hors du gouffre. Donc sachant tout le temps qu'il était parti quand j'étais de l'autre côté. Mais il n'y avait rien que je pouvais faire. C'était pas comme si j'avais réagi en disant « Oh non, ma main n'est pas là !» Mais c'était plutôt « Oh, ma main n'est plus là !» Et je continue de l'avant. Mais la vraie inquiétude concernait là où j'étais, pas ce qu'il me manquait. Tu as dit que quand tu es sorti du coma, la première chose que tu voulais faire, c'était appeler ta grand-mère. Pourquoi voulais-tu appeler ta grand-mère? Eh bien, quand je suis sorti du coma, ce qui a fait que je voulais l'appeler, c'est quand Dieu a rappelé à ma mémoire ce qu'il s'était passé. J'ai passé 30 jours à l'hôpital. Mais les deux premières semaines étaient sous morphine à cause de la blessure. Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a attendu que je ne sois plus sous morphine. Lorsque j'étais en route pour l'unité trauma, on n'est plus en réanimation, mais dans l'unité trauma. On prend toujours soin de vous, mais vous n'êtes plus branché à des moniteurs, etc. Donc, dans l'unité de trauma, c'est là que Dieu m'a rappelé. Hey, n'oublie pas ça. Et il m'a ramené à ce qu'il s'est passé. J'étais dans le pick-up, il commence à chavirer, il fait des tonneaux, je suis projeté dans l'étang, de l'étang je me retrouve dans la grotte en enfer. Revoir tout ce que j'ai vu, sortir du tunnel, toutes les choses que j'ai vues, tout ça à une vitesse accélérée. C'était comme si tu charges des informations sur un ordinateur. Dieu téléchargeait en moi à nouveau tout ce que j'avais expérimenté. Et quand j'ai réalisé où j'étais allé, que j'étais allé en enfer et que Dieu m'avait donné une seconde chance, j'ai appelé, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la seule personne que je connaissais qui le connaissait. Et c'était ma grand-mère, car elle était le pilier de notre famille, en tant que sainte pour le Christ.
Et je l'ai appelé de l'hôpital. Je pleurais beaucoup. Ce n'était pas des pleurs normaux. C'était vraiment des pleurs à l'aide. Et je pleurais à l'aide parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et on sait, et vous savez, qu'une fois qu'une personne se trouve en enfer, c'est trop tard. Pourtant, que Dieu ait de la miséricorde et de la compassion pour moi, c'était bouleversant et j'ai pleuré. Et j'ai appelé ma grand-mère. Elle a dit « Allô ?» Et je pleurais. Elle a dit « Bébé, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va pas ?» J'ai dit « Je suis prêt, je suis prêt !» Elle a dit « Répète après moi. » Elle savait instantanément pourquoi j'étais prêt. Et ces mots sortirent immédiatement. Tu sais, comme si elle avait attendu ce moment. Elle a dit « Qu'est-ce qui va pas ?» Et quand j'ai pleuré, elle a dit immédiatement « Répète après moi. » On a dit la prière du pécheur sur le champ. Et j'ai confessé le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai confessé qu'il est mort sur la croix et qu'au troisième jour, Dieu le Père l'a relevé de la tombe. Et j'ai confessé que j'étais un pécheur. Et je l'ai invité dans mon cœur pour être Seigneur et Sauveur de ma vie. Et depuis ce moment, il y eut un changement. Il se passa quelque chose dans la pièce. C'était comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière. Et la pièce s'illumina. Et après que la pièce s'illumina et que j'avais raccroché, l'Esprit de Dieu était venu dans ma pièce pour demeurer avec moi. Le jour suivant, le pasteur, qui est maintenant mon pasteur, vint me voir. Et ce qui se passa est comme dans l'histoire que Jésus raconte avec Lazare. Pas celui de l'histoire de Lazare et du riche, mais Lazare, le frère de Marie et Marthe. Quand Lazare est mort, il l'avait mis dans la tombe avec ses vêtements funéraux. Et quand Jésus releva Lazare de la mort, il dit aux disciples de le délier. Parce qu'il ne pouvait pas marcher vêtu de la sorte. Et de la même manière, toute personne qui a été relevée de la mort doit être dévêtue. Car il faut se défaire de votre manière de penser, de la manière dont vous ressentez les choses. Et vous devez entrer dans la nouveauté que le Christ vous a fournie. Et c'est ce que Dieu a fait en envoyant le pasteur me voir le jour suivant. Il me recevait, et avec du temps, en se tenant devant Dieu, chaque dimanche, chaque mercredi, et en étudiant sa parole, ce serait la méthode pour me dévêtir mentalement de mes vêtements funéraux, de mes pensées, de la manière dont je pensais, vers une façon plus excellente de penser, pour savoir que je peux tout faire en Christ qui me fortifie. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, quand il m'a ramené, il ne m'a pas ramené à la vie pour devenir mendiant. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il m'a béni. Il m'a dit, « Tu peux tout faire en Christ qui te fortifie. » J'ai eu l'opportunité de savoir que ce passage de l'Écriture est vrai. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je suis le premier coiffeur de l'histoire des coiffeurs à avoir passé l'examen avec une seule main. Et je suis droitier. Donc, passer l'examen avec ma main gauche et réussir et être le premier coiffeur à licence de l'État de Californie à avoir fait ça avec une seule main, toute la gloire va à Dieu. Mais sans avoir été dans cette condition, comment peux-tu savoir qu'il vient pour te donner la vie et t'en donner plus abondamment? Donc, même si je suis handicapé, je peux très bien manger. Comment? Par Christ qui m'a fortifié.
Et aussi, il m'a donné ses témoignages pour être un encouragement pour d'autres personnes dans le monde. Il se peut que ce soit un handicap physique ou mental que vous ayez. Mais Christ vous dit d'être délié de cette manière de penser et d'être renouvelé, d'avoir votre esprit renouvelé par sa parole. Parce que lorsque vous plongez dans sa parole, vous voyez qu'il est possible de faire des choses contrairement aux lois de la nature, parce que sa parole est le pouvoir par-dessus la nature. Donc, quand je suis revenu, une main en moins, et quand j'ai traversé cette situation, j'ai dû appliquer. C'est comme la femme qui avait des fuites de sang. Elle avait tout essayé jusqu'à ce qu'elle arrive à ce moment où elle croit avec foi que si elle peut seulement toucher un bout de son vêtement, elle sera guérie. Eh bien, c'était une de ces expériences où j'ai dû subvenir aux besoins de ma famille. Je suis marié, je suis un jeune homme. Je ne suis pas vieux, je n'ai pas de cheveux gris. J'ai encore beaucoup à vivre. Mais ayant encore à vivre, face à ce handicap, comment faire ? Eh bien, quand j'ai lu la parole, Dieu m'a montré. Donc je suis revenu ici aujourd'hui pour montrer des preuves du pouvoir et de la véracité de la parole de Dieu pour ceux qui sont croyants et aussi pour ceux qui ne croient pas. Dans votre situation, Dieu a choisi volontairement de vous montrer sa gloire pour qu'il puisse se révéler à vous. Donc c'était une situation que je ne pouvais fuir. J'ai dû l'embrasser. Et quand je l'ai embrassé avec Jésus-Christ, j'ai été en mesure d'être victorieux. Mwana maman, kobuka na te yoka lisolo Maman Jusnovitz, yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta. Boboko na nenga na nenga o pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ride na elongi. Vieillissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koke la nzoto na osoni. Kobuka na te, luka kaka maman Jusnovitz, okozonga leke leke. Mwete mwete. Kou. Maman na ngaye Babi maman Jusnovitz azo soigner nyoso etali lo posu en toto na bino yo muto betela ba tempo et sala keza mbete si la kate elonye nzuluka et koma lokwa mu batumena depo makala yaka pote bi docteur zaka kamoko coach zaka kamoko kozoe ezana ngo facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyoso internet soki olingo zo ba produit na ye livraison na ngo za partout dans le monde to beta www Jusnovitz.com Azoce la paix contributive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwane li susu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Zamba yebi singai. Na feti ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba souflinga, bikenda na veni Luka, na direction Birmani, derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosa kate. Ponga na yebi sanzame wana, so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesini Zali, entre Fetio Kendaka
ya voisin na yo to voisin na yo soki ke bokese nezali ya solo fete ya yo ko sala mokona te ya yo ya kanangwao ya kanangwao ya kanangwao. Merci. Merci. Peuple dédié, ngai ndeko na bino sœur Jenny Fernandez, la servante de Dieu, nazali ko beng sabino na milulu tozali ko organisé ya 5 décembre et toko banda le 12 avril ndeto ko silisa le 10 mai na milulu na biso ya liboso na nzambe évangile ezali ofile mais évangélisation esenga kama koki nazali ko beng sabana nzambe nyoso tu ya partout dans le monde boya ko soutenir misala nzambe nde boye pe nzambe ko kanisela bino na tangu ya soup bien aimé nyoso tu okozala nango na maboko nzambe ko tuta motema na yo kanisela bandeko nyoso tu o tozokende ko sauver milimo wana oyo ba yokana nu komwa nzambe te ba ebite ndenge nzamba sala kana via moto ndenge nzamba transforma ka via moto bien aimé yo mutu nzamba benga yo yo se comprenant mystère ya nzambe soutenir ministère oyo pesa oyo nyoso to kozala nango ezala savon ezala sete ezala soutien ezala libaya ezala elamba mwana jouer yaka nango tozali kozela bino po to soutenir ministère oyo to soutenir évangélisation oyo enzamba kosana nini akokanisela bino yo muto lelaka likambu na yo zolango na nous solution te yango yo er yango yo osala nini o gagner quelque chose na par nzamba enzamba kokanisela yo mwasi oyo atanga makila mwasi oyo azanga kimia mwasi oyo alukaka kobota mwasi oyo alukaka libala mwasi oyo alukaka alonga na bali en famille ya ya kanisela ndeko moko azovanda quelque part mai kuta melezate lipezate mbongo traitement ezate place a kolala zolala na carton biso to koleka na ba quartier wana nyoso tu to kokende ko visiter bandeko basi oyo bazo kosala ko teka nzoto enzamba kosala nini akokanisela yo que Dieu vous bénisse.